el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno. Quoi? Non, mon pote, je t'assure, je t'assure. C'est une bombe. Oh, les mecs, regardez un peu ce qui nous arrive. Oh, mon pote, elles sont canons, ces nanas, canons. Ouais, canons, je sais pas, mais des bombasses comme ça, il y en a peu. Oh, moi, je préfère ne pas m'engager, les gars, je veux pas de problème avec Hortensia. Oui, bah moi, je pense exactement pareil que toi. T'as intérêt, parce que j'ai pas envie qu'on se dispute en rentrant à la maison. Mais bon, vous savez pourquoi ces filles sont là ou pas? Bah ouais. Bah, à mon avis, ce sont des amis du directeur et elles voulaient lui dire bonjour, non? Ivan, excuse-moi, je voudrais te parler une petite minute. Ou ce sont des fans de salsa et elles voulaient voir notre clip, c'est tout? Pas du tout, c'est que le directeur du vidéoclip a fait venir ces deux mannequins pour remplacer Ami et Diana parce qu'il les trouve un peu trop grosses. Bah ouais, elles sont bien rondes, mais c'est parce qu'elles attendent un bébé, non? Oui, bien sûr, mais il s'agit de donner au groupe un look un peu plus sexy, plus attractif. C'est ça qui vend, Ivan. Non, Flaco, oublie ça. Ou on filme cette vidéo avec Diana et Amy, ou sinon on ne le fait pas. Non, je peux pas faire ce coup-là aux filles pour deux nanas qui, certes, sont super mignonnes, bien foutues, tout ce que tu voudras, mais bon, elles font pas partie du groupe, quoi. À toi de voir, Flaco. Attends, je vais lui parler. Ouais. Honey, what's going on? Non, t'inquiète. Mange, ma petite puce. Ivan, attends un peu, on va devoir trouver une solution intermédiaire hein, pour que Ami et Diana y soient aussi, tu es d'accord? D'accord. Oui, alors rassure-toi, il n'y a aucun problème, tout est réglé. Allez, assieds-toi, allez. Amparo, tu vas te taire! Mais tais-toi, Amparo! Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ferme-la, tu sais où nous sommes là, hein? On est dans un vignoble abandonné qui est au milieu de nulle part. Tu auras beau crier, eh bien personne ne pourra t'entendre. Et si tu ne veux pas que je te maltraite ni que je te fasse du mal, alors sois gentille, tu veux? Sois gentille, c'est d'accord. Et puis n'essaie pas de t'échapper. Non. D'accord? D'accord. Mais lâche-moi. D'accord. Salopard! Tu vas te calmer ou je vais m'énerver, c'est clair? Est-ce que t'as compris? Non seulement t'es un sale assassin, mais un sale menteur aussi. Mais laisse-moi t'expliquer, mon amour. Tu te tais. Mais laisse-moi t'expliquer. Tais-toi, j'ai dit. T'as rien de ce que tu pourras me dire ne me fera changer d'opinion à ton sujet. Je te pardonnerai jamais. Quel tempo, Marisol. Tu vas bien? Bien. Amparo est là? Non, elle est partie te chercher à l'aéroport. Tu l'as pas vue? Non, je l'ai pas vue. C'est bizarre, vous vous êtes sûrement loupé. Ah, c'est possible. Ah, quel dommage. Et moi qui ai tellement envie de la voir. Mais bon, raconte-moi. Comment ça s'est passé sans moi? Avec mon remplaçant? Pour tout dire, tout s'est très bien passé avec ton remplaçant, mais vous nous avez manqué, toi et Mias. Mias aussi, pourquoi? Si tu savais. Comment ça? Allez, raconte-moi. Dans le fond, je pensais que tu n'étais pas mort, donc tu étais bien vivant. Et bon, j'ai voulu m'accrocher à la possibilité et à l'espoir que tu ne pouvais pas être si perverse ni si détraquée. Mais tu te trompes, Amparo. L'homme qui est devant toi est toujours le même type honnête et droit que tu as connu. Non, Abelardo. Toi, tu n'es qu'un sale menteur. Et tu t'es moqué de moi. Je me suis moqué? Oui. Eh bien, toi, tu m'as trahi avec le tigre. Depuis quand est-ce que tu le voyais en cachette, hein? Je le vois seulement depuis que tu t'es fait passer pour mort, tu vois. En plus, le tigre m'a beaucoup aidé à surmonter cette tragédie que tu nous as fait subir à nous tous. Tu n'as jamais cessé de l'aimer, n'est-ce pas? Je ne devrais pas te répondre.
car tu ne le mérites pas. Mais bon, Abelardo, on peut difficilement aller à l'encontre de ses sentiments. Merci. Dis, Xiomara, pardon de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais bon, pourquoi tu ne donnes pas une autre chance à Mias, ma grande? Je lui ai dit la même chose, mais il n'y a rien à en tirer. Pourquoi, Miss? Eh bien, parce que, comme le dit l'expression, j'étais une fille à papa, moi. Et je l'adore, Mias, évidemment. Mais je ne peux vraiment pas trahir la mémoire de mon père. Ça ne va certainement pas te plaire, mais bon, même si je comprends tes raisons, eh bien, je ne les partage pas. Ça ne fait rien. Vous avez vu l'heure qu'il est et Amparo qui n'est toujours pas là? Oui. Tu crois qu'elle aurait pu aller chez toi pour te retrouver là-bas? Vous croyez qu'elle serait allée m'attendre là-bas? Enfin, ça me paraît bizarre, mais je vais y aller. À tout à l'heure, d'accord? Salut, les filles. Je vous tiens au courant. Les caméras sont prêtes? Action! Ian, arrêtez pas! Attends, tu veux attendre, Ivan, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Non, mais écoute, les nanas sont très très mignonnes, mais je te rappelle que c'est un clip musical, pas un défilé de mode, d'accord? Et nous allons rester les protagonistes de la vidéo, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, calme-toi un peu. Écoute, je comprends que ça te gêne, mais laisse le directeur faire son travail. Qu'il le fasse, j'ai aucun problème avec ça, Flaco. Mais s'il continue à nous rabaisser, mon pote, je te l'envoie sur les roses, d'accord? Non, calme-toi, laisse-moi aller lui parler. Toi, remonte sur scène, hein, et reprends tes esprits, je vais aller arranger tout ça. Pardon. Amparo. Oh. Amparo. Allô? Salut Marie. Oui, c'est le tigre. Bon, Amparo n'est pas venu chez moi. Mais c'est bizarre, où est-ce qu'elle est alors? J'en ai aucune idée. Mais tu m'appelles dès que tu as des nouvelles d'elle. Ouais, toi aussi, d'accord. Ciao. C'est fou ça, où est-elle passée? Les caméras sont prêtes? Action! Thank you.
Tiens. J'ai apporté de quoi manger. Voilà, c'est mieux. Avec tendresse, ma puce. Hé, combien de temps tu vas me retenir prisonnière ici? Eh ben ça, ça dépendra de toi. Et d'un petit détail que j'ai à régler. Mais laisse-moi te prévenir. Tu es peut-être folle amoureuse du tigre, c'est vrai. Mais sache que toi et moi, nous serons ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Misonero comprendió lo que el otro le insinuó. Mi montuno interpretó, la pata otra vez metió. Les amis, ma mère n'a toujours pas donné signe de vie, je commence vraiment à m'inquiéter. Ah bon? Moi aussi ça commence à m'inquiéter. Allez les filles, du calme. Ne dramatisons pas, d'accord? Comme elle n'a pas vu le tigre à l'aéroport, elle a dû partir le chercher en ville, pas la peine d'être paranoïaque, je vous dis, c'est bon. Hey, ah. Tu sais quoi, quand elle l'aura trouvé, ça va être les retrouvailles du siècle, tu m'entends mec? Ils vont fêter ça toute la nuit, ça va être chaud de les attendre. Hé, espèce de petit malin. Un peu de respect. Tes commentaires me paraissent pas drôles du tout, ils sont déplacés et de très mauvais goût. Hé, hey, pas la peine de monter sur tes grands chevaux. Et c'est Rengo qui a raison. Écoute, ta petite maman, Amparo, et le tigre, ils sont fous amoureux, alors laisse-les en profiter, hein. Peut-être, détends-toi. Mais pas non plus la peine de rentrer dans les détails, ça suffit. Bon, bref, calme-toi, parlez ma belle, d'autre chose maintenant. Je savais pas que tu t'apprêtais à rentrer au couvent, ça va, quoi, détends-toi. Tu vas la fermer, hein. Bon, et en ce qui se concerne notre petit concert de ce soir, et vu que Mias n'est pas là... Je voulais vous dire que je ne vais plus danser non plus. Hein? Quoi? Non mais comment ça, t'es folle? Bah quoi, je me retrouve sans partenaire, je ne vais quand même pas danser toute seule, mais ça ma non. Mais ma bichette, arrête un peu, tu as le roi de la danse devant toi, tu n'as qu'à danser avec moi. Ou avec moi, hein, Xiomara. Ah non, merci. Non, je crois que cette fois c'est avec fini. Avec Ringo, je vote pour lui. Ah, ce serait mais mieux. Mais si c'était ma mère? Le drame continue, maman, c'est reparti. Elle danse, je garde ça. Et ma mère? Alors, des nouvelles? Dites, vous avez vu Amparo ou pas? Quoi? Non, on ne l'a pas vu. Non, non, ce n'est pas normal. Il faut partir à sa recherche et vite. Ah, c'est oui. Très simple. Écoute, nous deux, on va chez vous pour voir si elle est rentrée. Ou si elle est dans les alentours. Et vous autres, s'il vous plaît, allez chez les Rubiano. Et chez les voisins également, ok? Allons-y, par contre. Marisol, Clara, est-ce que t'as les vite. Clés? Ouais. Oui, je les ai. Allons-y. On y va. Vite. Au revoir, à bientôt. Dites, vous avez noté mon téléphone, n'est-ce pas? Oui, ciao. Ah, Ivan, quelle journée, non? T'en as pensé quoi? Non, c'était excellent. Et tu sais, malgré tes réticences, les deux filles ont été parfaites. Et ça va rendre vraiment, vraiment très bien sur la vidéo. Voilà, c'est tout. Ah oui, vraiment? Donc ça veut dire que si les deux rouleuses de mécanique n'avaient pas été là, alors la vidéo aurait été un fiasco? Non, mais pas du tout. Je dis seulement ça parce qu'Ivan ne voulait pas qu'elles apparaissent dans le vidéoclip. Et moi, je trouve que ça fait une différence. Rien d'autre. Les filles, vous étiez merveilleuses. Et vous, messieurs, extraordinaires, tout droit sorti d'une grande télé-nouvelle. Oh, eh ben, on dirait que vous dites ça juste pour nous réconforter tous les deux. Juste pour votre info, hein. Bon, le plus important, c'est que le clip plaise aux gens, et c'est tout. Ça va leur plaire, je peux vous l'assurer. Et puis, on s'est mis d'accord avec le directeur pour que le clip entier soit prêt dans une petite semaine. Comme ça, nous pourrons le lancer en même temps que votre clip. Ouais. Ça me fait très bien. Ouais, c'est super. Santé, ouais, félicitations à vous tous, santé, c'était super. Gars. Et santé à nos deux santé. Beautés de Nietzsche, n'est-ce pas? Santé, oui. Très bien dit. À bon, votre talent. À nous deux aussi. Écoute, pardon d'insister, mais bon, je trouve que tout ça, c'est une grosse bêtise. Qu'à cause de ton orgueil déplacé, tu laisses filer Mias ainsi. Non, je t'assure, il m'est arrivé la même chose. J'en ai souffert et j'ai caché de nombreuses années. Donc la seule qui doit essayer de comprendre, c'est moi et pas lui, hein? Hein, il va chez une fille qui nous a causé beaucoup de tort à moi et toute ma famille. C'était si difficile de me dire qu'il comprenait ma réaction ou bien de me demander pardon, apparemment, ben oui. Oui, c'est sûr, mais il ne s'est pas du tout excusé? Non, pas du tout. Je vois et je ne trouve pas ça bien, c'est vrai, non. De toute façon, maintenant il est parti, alors moi je dois continuer toute seule. Hé, hey, regarde par là, là-bas. Ce n'est pas ta mère? Oui, on dirait. Maman? 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 Ah, désolée. Qu'est-ce qu'on fait? On aurait dit ta mère. Bon, alors dis-moi. Tu comptes me garder enfermée ici éternellement, c'est ça?
J'ai pensé à différentes possibilités, je sais pas. Mais mange. Mange, tu es toute mince, enfin. Si tu reviens avec moi et que tu quittes le tigre, je te laisse partir immédiatement. Oui. T'en dis quoi ? Jamais. Je ne me laisserai pas manipuler. Et encore moins par un assassin. Eh ben alors, dans ce cas, on va le faire à ma façon, Amparo. À la façon dure. Tout ce qu'on a fait avec Nietzsche se trouve ici. Ça vaut son pesant d'or. On y est enfin arrivé. Et je t'en suis extrêmement reconnaissant, Yeni, parce que si tu n'avais pas été là pour me soutenir, Ivan n'aurait jamais enregistré avec moi. Vraiment, je te remercie, Yeni. Merci beaucoup. Non, merci à toi, Flaco. Merci à toi, car grâce à toi, elles appartiennent maintenant aux grands de la musique. Et on doit continuer à travailler en équipe, car toi et moi, ensemble, on est invincibles. Que Dieu t'entende. Ce sera le cas. Très bien, je t'invite à déjeuner pour fêter cela. Très bien, allons-y. Et tu ne vas pas ranger le disque dans un endroit non, sûr ? Non, ici, ça craint rien du tout. Allons-y. Allez. Ok, très bien. Ok. Et alors ? Et alors ? Les amis, des nouvelles ou non, pas ? Non, tu penses bien, non, plus quoi ? Le tigre. Nous non plus, mon Dieu ! Ah, ça ne me plaît pas du tout, cette fois. Non, moi non plus, ça me plaît pas. S'il y avait eu un accident... Non, mais j'espère pas, ne pensons pas à ça. Et si on ne la retrouve pas, le tigre ? Eh bien... Si elle n'est pas revenue ce soir, il faudra chercher dans les hôpitaux. Aller au poste de police et... Je sais pas... Je reviens. Où est-ce que tu vas ? Je vais me débarrasser du tigre une bonne fois pour toutes et qu'on en finisse. Qu'est-ce que tu vas lui faire ? Bah, à ton avis. N'aimes-tu pas, s'il te plaît, à Bernardo, s'il te plaît ? Mais lâche-moi, Amparo, lâche-moi, tu veux, laisse-moi partir ! Laisse-moi partir, je te dis ! S'il te plaît, Bernardo ! Amparo, ça suffit maintenant ! Il a bousillé toute ma vie et je vais m'occuper de son cas, t'entends ? Bernardo ! Bernardo ! Yeni est là ? Pas pour vous, non. Yeni ? Yeni ? Mais bon sang, mais c'est pas vrai, il y a des gens qui comprennent pas le français, mais vous êtes bête oui, ou quoi ? Oui, Mike, vous ne comprenez pas. Allez, mademoiselle, pourquoi vous ne continuez pas votre petit boulot de nettoyage, hein ? Yeni ! Yeni ! Ça va, enfin, mais qu'est-ce que tu veux, Mike ? Pas la peine de crier, hein ? Pas la peine non plus de me recevoir aussi froidement. Ah, écoute, je suis très occupée, j'ai pas une minute à perdre avec toi. Yeni, écoute-moi, je suis là pour faire la paix. Tu n'imagines même pas à quel point je m'en moque. Au revoir. Je t'en prie, hein. Faisons la paix et baisse un peu la garde. Je viens juste te proposer une chose qui va sûrement t'intéresser. J'en suis sûr, car c'est tout à ton avantage. Vas-y, parle, je t'écoute. Voyons un peu ce que tu vas me dire. Allez, parle. Écoute, tu sais parfaitement bien que ma relation avec Flaco n'est pas au beau fixe en ce moment. Et je sais que vous travaillez ensemble pour lancer le disque du groupe Nietzsche. Eh bien, je voulais tout simplement te proposer mon émission pour te dire que mon émission était à ta disposition pour promouvoir le disque que vous avez enregistré ou faire des interviews à certains chanteurs ou bien des musiciens du groupe, je sais pas, moi. Tout ce que tu voudras, sans aucun engagement de ta part. Ah, Mike, tu es vraiment adorable. Mais figure-toi que je n'ai absolument besoin de rien venant de toi. Ce soir, on a précisément une conférence de presse et plusieurs médias de la ville seront présents. Donc, tu vois, je ne te retiens pas. Non. Et puis d'ailleurs, je sais parfaitement où se trouve la porte de sortie. De toute façon, je voulais que tu saches que mon émission est totalement à ta disposition pour... enfin, pour le groupe et tout spécialement pour toi, d'accord ? Bien. Bien, ma fille. Bien. Bien. Tape là.
Rassuré. Bien, voilà. À ce type-là. Pour qui se prend celui-là? Bonsoir à tous. Merci. Avant toute chose, nous souhaiterions vous remercier pour votre fidélité dans ce centre culturel. Mais malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour ce soir. J'ai le regret de vous annoncer qu'Amparo, ce soir, ne se sent pas très bien. Et aussi que notre grand danseur Mias a dû quitter le pays. Il a dû partir d'urgence en voyage. Il va sans dire que pour cette soirée, nous n'aurons ni représentation musicale, ni représentation dansante. Non. Non, les amis. Un petit instant, d'accord? Ne vous inquiétez pas, calmez-vous. Diamantino et moi, on va vous jouer les meilleurs morceaux de salsa de toute votre vie, c'est promis. Et puis, vous allez passer une soirée inoubliable, hein, Diamantino? Montre-leur un peu. Écoutez ça. Si vous en voulez plus que ça, en piste, c'est parti, dansez avec nous, allez. Hé, approchez-vous. Écoutez, de votre côté, vous retrouvez cette chère Amparo. Oh. Et nous deux, on se charge de garder notre public pendant toute la soirée sur la piste, hein? Diamantino, merci beaucoup, vraiment. Allez, t'inquiète, le tigre. Allez. Allez-y. On y va. Allez, c'est parti, mec. C'est parti. Tu te charges de la musique et moi, je prends le micro. C'est parti! Allez! Ah! Dis, par où est-ce qu'on va commencer à chercher? Par l'aéroport, t'en penses quoi? Mais non, on commence par les hôpitaux, et ensuite on ira à la police, je pense. C'est ça, oui, ça marche. Aller à la police, tu trouves pas ça précipité? Montez. Oh là là. Attends, je m'installe. Allez-y, bienvenue. Bonsoir, mesdames. Bienvenue, bonsoir, soyez bonsoir. Bonsoir, mesdames. Pardon. Juste là-bas, les cette gars, table est libre. La salle est pleine. Allez, faut vite commencer, hein. Ouais, calme-toi, on se préparait, mec, tranquille. Oui, tranquille, respire un bon coup, tu non, veux bien. Non, c'est pas ça le problème. Le truc, c'est que ce soir, on peut pas faire un seul faux pas, parce qu'il y a des journalistes partout. Ah, c'est Yvan, bon. Show, aie confiance, tout va se passer au mieux, tu vas voir. J'espère que t'as raison. Ah, Jérémy, comment vas-tu? Jérémy. Oh, quel plaisir de te voir. Je suis content que tu sois là, vraiment. Bonsoir, comment ça va? Écoute, attends-moi ici, tu veux bien, je m'occupe de toi. Oh là là. Bonsoir. Est-ce que vous savez qui est cet homme qui vient juste d'arriver? Non, on n'en a aucune idée. Ben, Jérémy Duchaud, Jérémy, évidemment. Le programme de télévision le plus important de toute la Colombie, rien que ça. C'est lui en personne. Et laissez-moi vous dire une chose, vous savez pourquoi il est là? Parce qu'il voulait vous connaître pour vous dédier une émission tout entière. Alors sortez de gros jeux, les amis. Très bien, ok. Et bonne chance, hein. Allez, on se concentre, sinon on va se faire engueuler. Vous avez vu? Vous êtes avec moi ou pas? Mais bien sûr, mais relax. Allez, on va y mettre tout ce qu'on a. Honey, are you okay? Non. Mais ça va bien se passer, ma puce. No! Allez, tranquille. Everything will be right, okay? You're great! Okay. I love you. Je t'aime aussi, ok. C'était vraiment nécessaire de venir ici. Écoute, Xiomara, ta mère a disparu depuis ce matin. On n'a pas pu la retrouver. Elle n'est pas chez moi, pas non plus à l'école de musique. Je ne sais pas où elle a pu passer. Elle n'est dans aucune clinique ni aucun hôpital. Bonsoir. Cabal est là? Non, il n'est pas là. Honnêtement, c'était vraiment important de venir. Bah, Marisol, je sais. Mais pourquoi précisément au poste de police où Cabal travaille? Parce que tu vois, malgré tout, eh bien, cet homme, il nous connaît tous. Il connaît bien ta mère, donc il va sûrement prendre cette enquête au sérieux. Eh bien, j'espère que tu as raison. Mais bon, si tu ne veux pas parler avec lui, on s'en va, c'est tout. On peut déclarer la disparition dans un autre poste. Bah, ouais. Non, ne perdons pas plus de temps, c'est vous qui avez raison. On n'a qu'à l'attendre puisqu'on est ici, non? Il va beaucoup tarder? Non, il va arriver. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, félicitations à vous tous, mes amours. Oh, vous avez chanté comme des dieux. Et toi? Oh, toi, tu as brillé, mon cœur. Ah, merci, ma chère Hortensia. Tu vois, Ivancho, je t'avais dit que tout se passerait à la perfection. Ah, je suis trop content. On a réussi. Jérémy, il est aux anges. Il n'arrête pas de parler du groupe et du chanteur. Et il a vraiment adoré que vous chantiez en anglais, oui. Ah oui, on ne comprenait pas un mot de ce que vous disiez, mais j'ai bien entendu Kali Pachanguero. Alors, donc, Jérémy m'a promis que pour l'émission de télévision, c'est confirmé.
Comment ? Qu'il vous attendait demain au studio de télévision pour enregistrer le show de Jérémy avec le grand groupe Nietzsche. Quand j'ai dit au revoir à Amparo, elle m'a dit qu'elle partait pour l'aéroport pour faire une surprise au tigre. Mais elle n'y était pas, je ne l'ai pas vue. Et elle n'est pas non plus chez moi, elle n'est pas non plus à l'école de musique, vous comprenez ? Non. On la trouve nulle part. Et nous l'avons cherchée absolument partout, c'est vrai. Oui, dans tous les hôpitaux, dans toutes les cliniques, Cabal. Eh bien, j'ai l'impression que c'est une situation des plus inquiétantes, effectivement, oui. Dis, est-ce que tu crois que tu pourrais nous aider dans les recherches, s'il te plaît ? Bien sûr, évidemment. Mais bon, on ne peut pas encore lancer un avis de recherche officiel. Pour cela, il faut d'abord attendre que 72 heures se soient écoulées. Comment ? Oui. Mais comment ça ? Mais c'est bien trop long, enfin, et elle pourrait être en danger. Je te comprends, Kiyomara, mais bon, tu sais, c'est la procédure selon laquelle on fonctionne dans ces cas-là. Tu te rends compte ? Tu te rends compte ? Je savais que cet homme n'allait pas pouvoir nous aider. Non, allez, mais allons-en attends, d'ici. Attends, tu veux, attends un moment. Cabal. Non, vraiment, tu ne peux pas nous aider, parce que je ne peux pas croire que ni toi ni la police ne puissent rien faire. Malheureusement, on ne peut pas, le tigre. Mais écoute, vu que nous sommes amis et que je connais très bien cette famille, eh bien, je vais m'occuper personnellement de cette affaire. Si jamais rien n'a changé d'ici demain, j'essaierai de faire bouger les choses et évidemment, je vous tiendrai au courant. Mais d'ici demain, elle pourrait bien être morte. Kiyomara, n'exagère pas non plus. On n'est pas dans un film. C'est vrai, c'est vrai. Donc calmons-nous, hein. Quoi qu'il arrive, on te remercie. Et s'il te plaît, occupe-toi de la suite. Tu sais que c'est très important pour nous tous. Venez, on s'en va. Moi, je veux partir, hein. D'accord, allez. Merci. Bon courage, tigre. Allez, tu viens, Léo. À bientôt. Oui, au revoir. Au revoir, bon courage. Hey, Kiyomara. Tu m'accordes une minute, s'il te plaît. Quoi ? Eh bien, voilà, je sais que toute cette situation est vraiment triste pour toi et tout ça, mais bon, ça me fait plaisir de te revoir, quoi. Malheureusement, je ne peux pas dire la même chose. Tu lui as fait quoi ? Mais lâche-moi, Amparo ! Est-ce que tu l'as tué ? Cet imbécile compte autant que ça ! Sale criminel ! Abelardo ! Mais parle-moi ! Abelardo ! Je ne lui ai rien fait, Amparo. Ton cher petit amour est en pleine forme et bien vivant. Je l'ai pas tué, mais pas par manque de courage ou d'envie, ça non. C'est juste parce qu'il était avec Marisol, avec Amadeo et aussi Xiomara. Mais bon, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas tarder à lui faire sa fête, crois-moi, c'est une promesse que je te fais. J'aurais jamais imaginé qu'en fait tu n'étais qu'une espèce de sale monstre, Abelardo. C'est ce que tu penses. Je ne suis pas un criminel, Amparo. Ce que j'ai fait, eh bien je l'ai fait pour défendre ma famille. Et pour pouvoir te récupérer, il va falloir que je me débarrasse du tigre. Abelardo, Abelardo, mon amour. Et si je te proposais quelque chose ? Si jamais j'oubliais tout ce que tu as fait ? Si je te donnais une autre chance, si on se donnait une autre chance tous les deux ? Serais-tu capable de laisser le tigre tranquille, hein ? Il faudrait que tout redevienne exactement comme avant, Baro. Que ce soit comme avant et que tu ne doutes plus de moi. Et qu'il n'y ait plus aucun obstacle entre nous. Oui. Tu parles sérieusement ? Très sérieusement, Abelardo. Oui ? Ivan, tu as un appel urgent. C'est ta sœur, c'est Xiomara. Quoi ? Mais à cette heure-ci, ils ont eu des ennuis à Cali ou quoi ? Bien, on dirait, parce qu'elle a la voix toute angoissée, on dirait qu'elle va pleurer. Ivan ? Frérot, je t'appelle car maman a disparu depuis ce matin. Il se fait tard et toujours rien. On n'a eu aucune nouvelle d'elle, tu sais. Mais comment ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ma mère. Elle a disparu depuis ce matin. My mother is lost. Et on n'a aucune idée de où elle peut être ? Non. Et puis on est allé parler au commissaire Cabal et il m'a dit qu'il s'engageait à la rechercher personnellement, mais on ne sait rien d'autre, en fait. On ne sait rien d'autre. Ah non, je pars immédiatement là-bas. Je pars pour Cali, hein ? Non. Ivan, pas la peine de venir. Et puis tu viendrais comment à cette heure-ci ? En bus, Xiomara. Non, Ivan Chauve, vaut mieux pas. Et puis il est bien trop tard, là. Attendons plutôt demain matin pour voir si on a des nouvelles, hein. Non, mais ça va pas, il s'agit de maman. J'arrive, je pars tout de suite, là. Ivan, sois gentil, tu veux, n'en rajoute pas mes soucis, j'en ai bien assez comme ça. Il est beaucoup trop tard, je te le dis. Non, n'insiste pas, on se retrouve là-bas. Ciao. Oh mon Dieu, quel enfer. Mais Ivan, tu peux pas partir.
Demain, on a le concert dans l'émission télévisée de Jérémy Salamanca. C'est pas possible. Non, désolé, Unico, mais bon, il faut qu'on annule. What's up? Oh? On va faire quoi, alors? Alors, toujours aucune nouvelle de maman? Eh bien non, Ivancho. Aucune nouvelle depuis qu'on s'est parlé hier soir, non. Mais bon, rassure-toi, nous allons la retrouver. Même si l'on doit remuer ciel et terre pour cela. Merci. Non, c'est ma priorité. Ah, salut, ça va? Bien, et toi? Bah, tu vois, avec la disparition de ma mère, quoi, plutôt inquiet. Mais comment ça, Ivan est parti hier soir pour Cali? Mais enfin, c'est un grand irresponsable! Et quel manque de sérieux! Comment je vais pouvoir expliquer ça à Jérémy, enfin? Je sais que tout ça n'est pas de votre faute, mais j'ai envie d'envoyer tout balader d'un seul coup, voilà! Tu sais quoi, Flaco? T'as entièrement raison, en fait. Si tu ne peux pas comprendre ce que représente Amparo Moreno pour Ivan, bah alors il vaut mieux que tu nous oublies. Non, 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 je sais bien que c'est sa mère, ah, mais bon! C'est pas une raison suffisante! C'est sa mère! La femme qui lui a donné la vie, celle qui a sacrifié ses rêves et toute sa jeunesse pour pouvoir l'élever et faire de lui un homme bien! Donc si Amparo a disparu, tu penses qu'il pourrait être là, chanter comme si de rien n'était? Tu crois ça, toi? Il prend la décision. Pour Cali pour savoir ce qui se passait, bon. Mais ne t'inquiète pas. Et moi, si j'avais été dans la même situation, j'aurais certainement fait pareil que lui. Bon, très bien, c'est vrai, oui, ok. Je vais dire à Jérémy qu'on ne peut pas assister à son émission, mais je vous préviens, nous perdons l'occasion du siècle, là. Et je doute qu'il nous invite de nouveau, à plus wait, tard. Wait. And what if Unico was singing? Quoi? Unico, il chante. Hein? Je crois pas. Unico, comment ça? Oui. German, bonne idée, non? German, mais qu'est-ce qui te fait rire, hein? Ah, Saoul, non, je ne veux pas vexer qui que ce soit, mais faire les chœurs et être soliste pour un groupe, ça n'a rien à voir du tout. Sans vouloir vexer personne, être mécanicien non plus, ça ne faisait pas de toi un musicien. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Non, je suis désolé. Comment ça, ce n'est pas le cas? C'est pas nous qui t'avons sorti de ce job, peut-être, hein, mon cher? Et laisse-moi te dire un truc, Unico, il a gagné cette place. Unico a déjà prouvé qu'il pouvait chanter et qu'il peut à tout moment remplacer Ivan. Moi, je suis complètement d'accord avec Saoul. Unico peut très bien le faire. On n'a qu'à demander à Ivan Shaw pour voir s'il est d'accord. Eh bien, ça paraît une excellente idée, tu sais. Ouais, que Unico me remplace, oui. Non, je suis convaincu qu'il le fera très bien. Par contre, Saoul, j'ai besoin que toi et Amy vous soyez sur son dos pour qu'il apprenne les chansons au pied de la lettre, comme on les connaît, d'accord? Non, et dis-lui que je lui envoie les meilleures ondes et que je vais regarder l'émission, d'accord? Enfin, que je serai un fan de plus, ça marche? Non, mon pote, on n'a toujours aucune nouvelle de ma mère, mais dès qu'on en aura, je vous tiendrai au courant, bien sûr. Allez, merci. Ciao. Hey, Ivan. Cabal vient juste d'arriver. Il souhaite nous parler à tous. Je t'ai préparé un bon petit repas comme tu le mérites, ma puce. Mais viens, ma chérie, viens là. Pourquoi tu restes si loin de moi? Allons, viens là. Viens là. Viens là, ma princesse. Allez, merci, viens. C'est adorable. Merci. Ah, tu as préparé un ragoût aux fruits de mer. Tu sais que moi, j'adore ça. Eh bien, c'est pour que tu vois que je suis toujours capable de faire n'importe quoi pour toi. Hein? Comme promis, je me suis mise à travailler sur la disparition d'Amparo. J'ai certaines informations qui pourraient nous aider à la retrouver. On vous écoute, commissaire. Il y a plusieurs jours, un chauffeur de taxi s'est fait voler sa voiture. Et nous croyons que c'est Abelardo Cuero, d'après les caractéristiques qu'il nous a données. Mais... Non. Écoutez, commissaire, vous me pardonnerez, mais cela me semble vraiment très improbable. Parce que, enfin, réfléchissez un peu. Si Abelardo était encore vivant, eh bien, il nous aurait déjà donné signe de vie. Justement, je pense le contraire. Il sait qu'en donnant signe de vie, on l'arrêtera. Je sais pas. Excusez-moi, mais cette théorie me paraît vraiment peu crédible. Mais pas à moi. Il y a quelques jours, on a eu l'impression, maman et moi, qu'on avait entendu le violon de mon père. Et quelques jours plus tard, maman a cru qu'elle l'avait vu tout près, dans la rue. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est le tigre qui a raison. Mon père, il adorait tellement ma mère que s'il était vivant, il aurait eu envie de la voir, non? Effectivement, et nous pensons que c'est lui qui l'a enlevée. Pourquoi tu ne me chantes pas quelque chose? Ah, Abelardo. Allez, s'il te plaît, si chante pour moi. Bon, allez, faisons comme au bon vieux temps, ma chérie, allez.
Allez, chante, s'il te plaît. Hagamos lo que diga el corazón y vamos a entregarnos sin medida. Mais chante, Amparo. Chante, allez. Hagamos lo que diga el corazón y vamos a entregarnos sin medida. La crisis terminó, lo malo quedó atrás, querido. Hagamos lo que diga el corazón. Mon amour, non, 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 ne te mets pas dans cet état, voyons, s'il te plaît. Écoute, je suis en train de m'organiser, d'essayer de régler tous nos petits problèmes pour pouvoir vivre ensemble et être heureux pour toujours, mon amour. Ne pleure pas, ma chérie. Non, Abelardo. S'il te plaît. Non, je ne suis pas prête. Essaie de comprendre. Wait, 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 wait. Hey, hey, hey. Hold on, hold on. I'm sorry. Unico. But... Your pronunciation is not correct. Ça m'est égal que tu me dises non, mais je sais très bien que je chante mal. Alors ? Je vous l'avais dit, bien sûr, il chante juste. Mais en anglais, c'est un vrai désastre, les gars. C'est un fiasco, qu'est-ce qu'on fait ? What did you say ? Non, rien, que ça craint qu'on va avoir l'air complètement ridicule dans cette émission de télévision, parce que moi, je suis un vrai incapable. Donc, comme vous voyez, I got to go. Je m'en vais. Oh, mais je non. Peux pas. Allez. Il fallait juste pratiquer un peu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Diana ? Faut toujours que t'y mettes ton grain de sable. Tu vois bien qu'il chante juste, mais que ça ne va pas. Non, c'était terrible, on va faire quoi ? Je ne vais pas tarder. J'ai quelque chose à faire, mais je reviens le plus vite possible. Et c'est quoi ce quelque chose ? Tu verras bien, ça va nous emmener tout droit au paradis. Comment tu peux dire que tu n'es pas capable d'affronter une toute petite émission de télévision, hein ? Toi qui as dû affronter des stades de foot remplis de monde, des gens qui criaient, qui t'insultaient parce que tu défendais le but des Bleus comme un lion que tu étais. Hein ? Tu vas me faire croire ça ? Tu as gagné les finales de la Coupe de Colombie et tous ces championnats dont je n'ai pas la moindre idée. Toi, tu es un dur à cuire. Ma chérie, chérie, mais ça c'est différent, car le football c'est mon dada, mais la musique et chanter en anglais en plus, non merci, ah non. Ah, Unico, je t'en prie. Non mais enfin, la musique c'est ton truc et chanter tu fais ça bien. Toi, tu es fait pour les défis de taille. Si Ivan t'a donné tout son soutien, c'est bien parce que tu es à la hauteur de la tâche, crois-moi. Vraiment, tu le crois ? Bien sûr que oui. Tu ne vas pas reculer devant une chose aussi facile. Tu peux le faire. Ah, Hortensia. Ah, ma chère Hortensia, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Mon petit sucre d'orge. Je veux bien essayer encore une fois, alors. Et tu vas voir que tu vas y arriver. Unico, comment tu te sens ? Oh là, bah, j'ai un trac d'enfer. Non, tu dois maîtriser tes nerfs, hein. Excuse-moi, vieux. Courage, allez, je reviens. À tout à l'heure. Tu vas te débrouiller comme un chef, chéri. Et merci, ma puce, merci. Ah, mon chéri. Bon, j'espère que vous avez prié, n'est-ce pas ? Courage, allez, les gars, les amis, parce c'est qu'il bon. En faut. Vous êtes prêts ? Chacun à sa place, on va commencer à tourner. Bonne chance, les amis, c'est parti. On tourne. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mon amour, prépare-toi vite. Vite, prépare-toi, allez. En ce moment, ils sont en train de nous faire de faux passeports. Et donc, on doit aller les récupérer. De faux passeports, mais ça va nous servir à quoi ? Allez, prépare-toi, tu veux, ma chérie ? On va pouvoir quitter le pays, mais en bateau. Ah ! Allez, dépêche !